C'est la rencontre dont tout le monde parle depuis de nombreux jours. Et c'est vrai que cette rencontre, elle s'annonce exceptionnelle. Dans quelques minutes, la suite du programme sur eSports. Salut, bienvenue à tous. Nous vous accueillons aujourd'hui sous la pluie. Le duo Matou Menez pour vous assurer les commentaires. D'envoi imminent pour ce match de Serie A italienne. On peut s'attendre à... Oh, s'ils marquent, ils vont passer devant, attention! Oh, le réflexe! Oh, le réflexe de Péry, magnifique! Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le match vient de commencer, alors pas de carton, l'arbitre reste calme. Morata, attention le danger! Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Ouais, la précision de Dybala sur ce corner. La frappée, il a été contré. Aaron Ramsey. Ouais, il a bien lu le jeu. Ouais, celui que tout le monde attend dans ce match. Comme dans tous les matchs d'ailleurs, évidemment, Cristiano Ronaldo. Et si on se fie à la forme du moment, on ne sera pas étonné s'il marque encore aujourd'hui. Ce qui le rapprocherait encore plus du record absolu de buts marqués dans cette compétition. C'est bonne précision, bonne fréquence. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, le but, magnifique. Pierre, quand on voit ce but, on ne peut que saluer la maîtrise collective de cette équipe. On peut aussi inviter plus d'équipes à jouer de cette façon. Ça nous éviterait quelques purges parfois. Attendez, il y a eu un but. On va tout de suite savoir ce qui se passe et où. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Parme. Un but à zéro, donc, après 14 minutes de jeu. Attention, il peut aller au bout maintenant. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Milan Badelj. Radovanovic. Un ballon pour l'adversaire. Paolo Dybala, ça c'est très bien défendu. Et bien l'intervention, changement de possession. Ronaldo, Dybala. Oh, ça peut faire but. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur le but qui vient d'être marqué à l'instant, dites-moi. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de la Sampdoria. Un but à zéro, donc. Il est passé. Et c'est un but. Une première période qui vire à la démonstration. Con il numero 9, Alvaro Morata. Et il perfore la défense. Attention à Morata. Oh, l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Déjà que la fin de match annonçait compliquée, là je crois que l'affaire est quitte. Cristiano Ronaldo qui le rate. Ah, il est bien parti ce corner. Ballon pour Chiellini. Ah, excellente défense sur ce coup. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Cristiano Ronaldo. Et le but, ils sont allés le chercher, hein, ce but. Ils n'ont pas arrêté de harceler le porteur du ballon. Quelle énergie ils ont mis, ils sont récompensés. Oui, ils ont forcé l'adversaire à jouer en sur-régime par moment. Et voilà la première approximation, ça se paye cash. Mattia Destro. L'arbitre qui n'a pas sifflé. Il laisse le jeu se poursuivre. Oh, le bon ballon. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Ah non, il rend le ballon à l'adversaire, là. Il y a peu de solutions en attaque. Il est obligé un petit peu de dézoner, de décrocher. Mattia Destro. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Leonardo Bonucci.
c'est la mi-temps à l'instant, sifflé. On est à la moitié du chemin, c'est reparti maintenant pour 45 minutes. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques, mais on va essayer de voir lesquels. Juan Cuadrado. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. David de Zapacosta. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Le bon ballon en profondeur. Et le gardien qui, pour une fois, est sur ce ballon. Il était temps parce qu'il est totalement à côté de ses pompes aujourd'hui. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Oui, ça se confirme. On assiste à un match à sens unique. Et encore, ils n'ont pas transformé leur dernière occasion. Sinon, le score était encore plus lourd. Oh, l'occasion! Oh, le but de Cristiano Ronaldo! Cristiano! Personne n'a pu l'empêcher d'aller au bout. Le score qui est à présent de 5-0. Un score qui illustre bien le déséquilibre de la partie. Ouais, il progresse bien là. Ouais, la faute était évidente et l'arbitre siffle coup franc. Coup franc longue distance de Cristiano Ronaldo. Attention, ça peut aller au fond quand même. C'est avec Cristiano Ronaldo encore. Oh, le plongeon! Oh, il n'a pas hésité à y aller. Et il a eu raison. Ouais, il fallait encore l'avoir, le ballon. C'était pas évident. Eh non, il est mal tiré, ce corner. Ronaldo. Allez, Ronaldo. Il peut marquer sur ce ballon. Ah, la défense qui a du mal. Eh oui, il marque! Parce que malgré les défenseurs, il arrive quand même à marquer. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Pablo Dybala, allez, qu'est-ce qu'il va faire l'Argentin? Ça c'est un bon ballon. Ça c'est un bon ballon pour Cristiano Ronaldo. Et le but, que c'est beau! Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier, il n'y a pas photo sur le terrain. L'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Je crois qu'à l'instant, il y a eu un but. On va demander à notre camarade de nous en dire plus. C'est où? Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Parme. Donc deux buts à rien pour l'instant. Et on joue ici depuis exactement 70 minutes, Hervé. Parfait, merci pour ce point rapide. Arthur, encore un bon ballon. On s'approche de la zone de vérité. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Allez, il y a un contre à jouer là qui est intéressant. Un petit peu d'espace devant lui. Domenico Criscito. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Attention à la contre-attaque. Cuadrado. Ah, il faut venir défendre là. Oh, ça peut faire but. Et c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui. Ah, c'est probablement le coup de massue, ils ne pourront pas revenir. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Morata. Dybala. Ah, c'est bien donné, attention. Ouais, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid! Ils enchaînent les buts aujourd'hui, ils sont en pleine réussite. Pas beaucoup de temps additionnel, seulement 2 minutes. La dernière minute du temps réglementaire.
L'arbitre qui siffle la fin de cette